Allez, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez comme ça de liker la vidéo. Essayez de vous abonner aussi. Voilà, parce que ici, il y a de vraies informations. Il y a des liens que vous pouvez recevoir à chaque instant pour pouvoir postuler aux bourses sans problème. Et nos liens sont vérifiés. Voilà, donc s'il y a des personnes qui en doutent, vous pouvez déjà consulter nos vidéos et vous allez voir que il y a des liens qui sont en description. Vous pouvez les utiliser pour postuler à des bourses que vous souhaitez. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés à ce qu'on suive les dossiers aussi, vous pouvez nous contacter inbox au numéro qui se trouve dans la description. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette vidéo-là pour présenter un peu, pour ceux qui nous posent la question, à savoir comment est-ce qu'on doit accepter son identité Campus France lorsqu'on reçoit une acceptation ou bien un avis favorable. Donc, même si ici, par exemple, comme ça, parce qu'il y a d'autres qui disent à tout temps que mon côté, parce que lorsque vous commencez, les autres côtés ne sont pas, sont toujours grisés, c'est-à-dire vous ne pouvez pas accéder. Voilà, mais arrivé un moment, ils peuvent l'ouvrir, voilà, sans attendre à ce que vous soyez d'abord accepté. Donc, si vous voyez que vous êtes accepté et que vous n'avez pas encore reçu de message, voilà, ne vous dites pas que vous êtes accepté forcément et vous allez venir vérifier là, non. Pour débuter, on sait que c'est dans je suis candidat. Et quand on est accepté, on clique sur je suis accepté. Donc, je viens là rapidement. On va essayer aussi de flouter son nom, prénom ici. Donc, c'est pas un problème. Donc, on vient dans je suis accepté. Mais d'abord, vous recevez le message ici, dans ma messagerie. Excusez-moi. Donc, je reçois là et ici, je vais me reconnecter, comme ça vous allez voir. Donc, vous recevez le message dans ma messagerie ici. Voilà. Et vous allez voir que vous avez reçu ici trois messages. Donc, ici, l'étudiant a vraiment été accepté dans l'université et la ville aussi qu'il souhaitait. Donc, c'est la ville de Pau. Donc, vous avez vu que c'est en formation continue. Donc, il va payer comme ça minimum 2 770 euros. Et ce qui est bizarre, c'est que une fois que vous arrivez là-bas, voilà, il peut avoir des frais supplémentaires et tout ça. Voilà. Et ici, vous devez confirmer l'acceptation au plus tard. Donc, ça veut dire que maximum le 31 mai. Donc, ça veut dire que il a au moins 2 mois pour pouvoir confirmer cela. Donc, s'il n'a pas confirmé, c'est pas, ça veut dire qu'il a rejeté et voilà, c'est tout. Donc, ici, je viens dans je suis accepté. Ici, je vais cliquer là rapidement. Et là, je viens sur je finalise ma procédure. Donc, je clique sur je finalise ma procédure. Et dans un premier temps, on me dit, dans cette étape, vous énumérez les raisons pour lesquelles vous acceptez partir étudier en France et pour lesquelles vous disposez d'attestation. Gna, gna. Ok, ça, c'est pas un problème. J'ai choisi mes projets d'études. Ici, si vous avez bien remarqué, on avait déjà fait cela au premier instant. Vous pouvez ajouter plusieurs projets d'études tels que les acceptations et voilà, diplômantes et tout, tout. Voilà, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est ici. Donc, ici, vous avez vu que ça est sur, le point est sur une acceptation électronique issue de l'application Études en France. Et il y a aussi, pour ceux qui ne vont pas utiliser Campus France pour postuler, c'est-à-dire qu'ils vont passer par, je vais dire, l'admission physique, c'est-à-dire contacter directement une université qui n'est pas liée. Quand il dit qu'il n'est pas lié à Campus France, quand il dit qu'il n'est pas lié à Campus France, ça ne veut pas dire que, voilà, vous ne devez pas passer par Campus France. Non, mais il y a des universités en France où vous pouvez postuler à l'admission directement. Voilà, donc ces personnes-là, vous allez cliquer ici. J'ai une attestation papier reçue en dehors de l'application Études en France. Voilà, maintenant ceux qui viennent par échange, c'est-à-dire que vous êtes dans une université française là-bas en France et vous voulez aller dans une autre université, ça aussi, Campus France doit notifier cela. Donc c'est là. Maintenant, si vous êtes passé par Campus France, alors directement c'est ici.
une acceptation électronique issue de l'application Étudiant en France. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant l'ajouter pour dire que c'est ce que j'ai fait. Et on m'envoie directement ici. Ici, on dit, je suis accepté suite à une candidature effectuée dans l'application Étudiant en France. Suite à un lien effectué en France, vous avez reçu plusieurs acceptations. Voilà. Vous avez reçu plusieurs acceptations. Vous devez en sélectionner une ou plusieurs. Donc, lorsque vous êtes accepté partout, voilà. Lorsque vous êtes accepté par les six universités, vous allez voir qu'il y aura six acceptations ici et vous allez choisir ce que vous voulez. Mais étant donné que nous, on veut venir accepter rapidement parce que quand l'étudiant m'a contacté pour pouvoir étudier, l'étudiant a mis l'accent sur la ville de Pau, parce qu'il y avait son frère qui était. Donc, vraiment, c'est une grande chance aussi, puis c'est une grande opportunité aussi pour l'étudiant qui a été sélectionné à Pau, vous voyez. Sinon, je le répète encore, l'étudiant aussi a eu un refus sur deux acceptations, c'est-à-dire sur deux affirmations ou bien sur deux réponses. L'étudiant a eu une seule acceptation ici et heureusement et Dieu merci, c'est dans la ville qu'il souhaite. Donc, c'est déjà une bonne chose. On va essayer de choisir rapidement. Donc, ici, il vient ici choisir cette formation. Donc, je vais choisir la formation. Voilà. Et là, on dit, vous êtes accepté pour la formation suivante. Licence sciences technologies, sciences mention mathématiques et informatique appliquée. OK. Et entrée première année. OK. Donc, quand je viens là, je vérifie tous les éléments. Il fera 3 ans. Tarif de la formation, 2 700 euros. Et c'est en français. OK. Après ça, on vient là et on choisit cette formation. Choisit cette formation. OK. Maintenant que je viens choisir la formation, je viens là pour vérifier. Vous voyez qu'ils ont coché là. Ça veut dire que ça va. Donc, je viens et je vais essayer d'enregistrer rapidement que possible. OK. Donc, je viens d'enregistrer ici. Je vais vérifier rapidement les éléments et puis voir. Donc, ici, je crois que ça va. Ici, c'est complet. Vous voyez, je vérifie que tout est complet et je confirme mon choix. Donc, je viens là. Je clique sur. Je vérifie. OK. Tout est complet, complet, complet. OK. Donc, on dit, attention, il faut prendre connaissance des prérequis relatifs à votre projet d'études. Licence en sciences, informatique. OK. Sciences Po. OK. Donc, ici, je relis mon dossier et je confirme mon choix auprès du Campus France. On a déjà relu. Donc, j'ai bien lu. Je certifie avoir pris connaissance, plutôt. Voilà. Et quand j'ai fini, je confirme mon choix. Comme je l'ai dit, on confirme rapidement. On n'attend pas les autres stations. On n'attend pas les autres résultats parce que c'est la ville qui l'a souhaité. Donc, j'aimerais aller un peu plus vite. Je confirme mon choix définitif auprès de l'espace Campus France. Donc, attention, après soumission de votre dossier, vous ne pourrez plus le modifier. Êtes-vous sûr? On est bien sûr, oui. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre dossier? Oui. Donc, on soumet. OK. Donc, là, votre dossier a bien été soumis auprès de votre espace Campus France. Merci de nous recontacter régulièrement pour suivre l'avancement de votre dossier. Vous recevez des informations de suivi pour votre messagerie, dans votre messagerie personnelle. Donc, jusqu'en juin, voilà, on va recevoir tous les documents qui vont nous permettre comme ça de nous apprêter pour le visa pour la France. Voilà. Donc, pour l'instant, j'attends et on va contacter l'étudiant pour lui souhaiter toutes les chances. Et voilà, on va aussi essayer de voir comment l'aider pour pouvoir obtenir son visa. OK, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225.